Et bien salut tout le monde, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel let's play, cette fois-ci sur Marvel's Avengers. Ça y est, il est là. Donc si je dis pas de bêtises, avec les super offres d'édition super élevées, vous savez, des trucs toujours bien chers là. Normalement vous avez accès donc à une avant-première dans 3 jours. Vous avez donc 3 jours, comment dire, en gros normalement la sortie, je sais plus c'est quand, mais je crois que c'est le 4. Mais si vous achetez la plus haute édition, vous pouvez y jouer 3 jours en avance. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One. C'est édité par Square Enix et développé par Crystal Dynamics, si mes souvenirs sont bons. Et bien entendu, on est sur PS4 ici tout simplement. Parce que donc sur PS4, pour ceux qui ne le savent pas, il y a Spider-Man. Hein, oui, je sais ce que vous allez dire. Hein, normalement, c'est... C'est pas joli, hein, mais voilà, c'est Sony qui a les droits sur Spider-Man, donc c'est leur droit, hein, de mettre Spider-Man sur la version PS4 et pas sur d'autres versions. Mais malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc voilà, on avait testé la bêta, c'était franchement sympathique. Bon, il y avait des petits soucis, hein, avec le doublage, tout ça, mais bon, bêta oblige, hein, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Et donc, j'aimerais bien voir les paramètres... Oh, cash shop, ok. Il y a donc un cash shop dans le jeu. Ok, bon. On verra plus tard comment on obtient ces fameux points. En tout cas, j'espère qu'il faudra pas payer. Parce que bon, un jeu pareil, payer prix plein pour avoir des micro-transactions dedans, c'est pas joyeux, on va pas se mentir. Hein. Bon. Alors, jouabilité, matchmaking désactivé, difficulté de la campagne normale, affichage, sous-titres actifs, j'ai dit... En couleur. Donc voilà. Allez, on va lancer en mode normal. Let's go. C'est quelque chose qu'on peut observer presque tous les jours. Des gens qui abusent de leur pouvoir. Mais les Avengers ne sont pas comme ça. Je le sais bien au fond de moi. J'arrête pas de me dire qu'il devait y avoir une raison à tout ça. C'est peut-être le signal que j'attendais. Je vais peut-être enfin pouvoir... agir. On voit le pont à bout, regarde là! Il était temps. Oh. Ces sièges sont terribles. C'est vraiment superbe. Oh, je m'attendais quand même à ce que ce pont soit doré comme son nom l'indique. Il y a vraiment beaucoup d'autres enfants. Je parie que leurs histoires sont toutes géniales. La compétition, c'est ce qui nous fait progresser. Et s'ils aimaient pas mon histoire, ou bien s'ils attendaient autre chose, il faut qu'elle soit parfaite, tu comprends ? Oh, quand tu es né, ton frère trouvait que tu avais des yeux globuleux. Quoi ? Moi, j'ai trouvé que c'était les plus beaux yeux que j'avais jamais vus de toute ma vie. Nous sommes tous uniques, Kamala. Tu devrais être fier de qui tu es. Je t'aime, Apu. Je t'aime encore plus. Et je suis sûr que tu vas gagner ce concours. Oh là là, t'imagines ? Et la gagnante pour le prix de la meilleure fanfiction avec les Avengers contre les terribles lézards des égouts est Kamala Khan. Et la foule m'acclamerait. Ah, voilà, c'est ça l'idée. Promets-moi une chose. Que tu gagnes ou non ? Oh, je serai quelqu'un de bien, Apu. Oh, bêta. Le bien, ce n'est pas ce qu'on est. C'est quelque chose qu'on fait. C'est ça, ma fille. Nous approchons du quartier général des Avengers sur la gauche et nous poserons bientôt sur le Chimère. Allez, Apu, on y va. J'arrive. Calme-toi un peu. Oh,
C'est vraiment génial. Ok, je dois récupérer mon badge. C'est parti pour le concours d'écriture. Oh. Ah, on commence directement ici du coup. Pas mal. Bonjour madame, je voudrais mon badge. Bonjour finaliste, tu peux me donner ton nom ? Kamala Khan. Et voici mon père. Youssouf. Les Khan, super ! N'oubliez pas notre grande chasse aux comics. Récupérez les 5 et vous pourrez accéder au balcon VIP. Une fois que vous les aurez tous, scannez votre téléphone près de l'ascenseur et vous pourrez monter. Tu n'as pas déjà assez de comics ? Mais... c'est pour le balcon VIP. Il faut que j'y accède. Ok. La vigilance tactique. Ok. Bienvenue au jour des Avengers. Alors, il y a un point là. Ah, ça va être des mini-jeux à faire, je suppose. Ah, c'est brassé de Black Widow, ça. Faut faire quoi, du coup ? On peut toucher les cibles rouges, mais pas les vertes. 50 points. Alors, on va voir si on va pouvoir accéder chez les Avengers. Elle devient bon à la visée, hein. Vous en pensez quoi, là? Ça a l'air easy, en fait. Yeah! Un comics pour Bibi! Alors, quatrième comics. Il y a un B là-bas. C'est ce B, c'est où? Celle d'arcade? Allez, vas-y! Montre que t'as des biscottos! Ah bah dis donc, moi j'aimerais bien avoir des jeux comme ça, pour avoir des BD gratos, ça serait génial. Ouais, ça fait deux. C'est marrant quand même le petit côté fan. Oh non. Est-ce que ça va? Non, j'ai déjà ce comics. Il faut celui de Captain America pour finir la collection. Eh, si tu le trouves en double, on pourrait échanger? Ouais, bien sûr. Super, à plus tard. J'y crois pas! Des gants répulseurs! Il faut que j'en essaye un. C'est dingue! Oh, c'est trop cool! Ah! Quelle est donc cette atrocité? Oh. Ah! Toutes mes excuses. Tu es toute petite, je ne t'avais pas vue. Tu n'as rien à craindre de la part d'un fils d'Odin. Même si je comprends ta réaction. Quel est ton nom ? Oh, Kamala Khan. Je vois. Et quelle est cette chose que tu tiens ? Oh, c'est un rayon muon à haute densité. Un gant répulseur modèle 3, le premier camp de Tony Stark. Par la barbe d'Odin. Tu es presque aussi intimidante que lui, hein? C'est très drôle. Oui, en effet. Regarde, voici maintenant une arme qui se passe d'amélioration. Oh, wow. Quiconque possédera ce marteau, si il ou elle s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. C'est ça. La différence entre les gadgets de Stark et... la puissance d'un dieu. Peut-être. Mais tous les héros doivent commencer quelque part, non ? Oui. Oui, bien sûr. Tu es ma foi bien sage pour quelqu'un de si jeune. Merci.
Vous aussi. Kamala Khan. Je me souviendrai de ton nom. J'arrive pas à croire que je viens de rencontrer le dieu du tonnerre. Génial. Les comics, la récompense. Allez, on se concentre. N'oubliez pas. Oui, on se concentre là. C'est où? Ah. Eh vas-y, ouais, moi je veux essayer. Oh vas-y, ce serait tellement le pied ça. Allez, vas-y. J'étais presque. Presque digne, c'est déjà pas mal. Voilà ton comics. Presque digne. Merci. Alors. Un comics de plus. C'est par là. Elle a pas volé. Ne laisse pas. Ce sont les scientifiques qui sont passés à la télé. Le terrigène appartient à tous. Ce n'est pas un jouet pour milliardaires. On peut y remédier. Concentre-toi sur ce qui est important. Notre travail va changer le monde, George. Je sais que tu n'aimes pas le décorum, mais je suis sûre que ça va nous aider. Il voudra le pouvoir et l'argent. On le maîtrisera. C'est ton grand moment. Avec l'argent de Stark et ton génie, tu seras un héros pour tout un tas de gens. Réfléchis, on est si proches. Te voilà. Bruce. Tu as disparu ce matin. J'ai toujours beaucoup à faire. Je sais, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Juste un petit problème. Nous avons reçu d'étranges signaux venant du réacteur. George, vous aviez peut-être raison. Nous aurions peut-être dû attendre avant de le présenter publiquement. Est-ce qu'on pourrait vérifier les chiffres, juste une dernière fois? Ah, oui, certainement. Merci, je suis désolé. Hé, hey, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, Je suis perdu. Je vois. On va aller retrouver tout le monde, d'accord? J'y suis presque. Balcon VIP, me voilà. Ouais, le balcon. Du coup, je dois échanger avec l'autre ou pas? Oh non, il n'y en a plus. Oh non, il n'y en a plus. C'est le bouclier qu'a utilisé Cap pour frapper Hitler en pleine tête. C'est trop cool. Pousse-toi de là. Désolé. Ce concours devrait être réservé aux vraies fans. Hé, hey, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pas une vraie fan? J'ai le droit d'être là, moi aussi. Tu penses vraiment que les Avengers ont lu ta petite histoire? Vas-y, dégage. Quand la foule et la presse et le monde entier vous demandent de partir, restez plantés là comme un arbre au bord du fleuve de la vérité. Et dites non. Vous partez. Hein? Et qui a dit ça? Un vrai fan le saurait. Ouais, si tu le dis. On se tire d'ici. Génial. Il n'y a même plus de comics. Tu sais, pour ce que ça vaut, j'ai trouvé ça très courageux. Merci. Tu dois être une fan de Captain Marvel. Elle n'est pas là, mais elle aurait aimé te rencontrer. Pardon, vous êtes Captain America? Je suis Kamala. Kamala Khan. Khan. C'était l'histoire sur les espèces de lézards. Lézards des égouts, oui. Ouais. Ouais. Thor a vraiment aimé celle-là. Ils ont déjà eu un problème de lézards des égouts sur Asgard. Vous avez lu mon histoire? Toutes celles qu'on a reçues. C'est trop génial. Hé, hey Cap, on doit retourner sur scène. Tarleton va perdre patience. Tu as vu Thor? Il devrait être là maintenant. Bah, moi, je l'ai vu. Je veux dire, il était là-bas au stand Stark. Mais il doit plus être là maintenant. Je l'ai vu s'en aller.
C'est qui ça ? Nat, je te présente l'une de nos brillantes candidates. Voici Kamala Khan, notre spécialiste en lézard des égouts. Oh, je vois. Oh, ce que tu m'as fait faire avec cette plaque d'égout, super cool. Oui, enfin, c'est rien à côté de ce qui s'est passé entre vous et Madame Hydra. C'était dingue. On devrait retourner sur scène. Ouais, peut-être à bientôt, Kamala. À la prochaine, petite. À la prochaine. C'était Captain America et Black Widow. Oh, c'est incroyable. Oh, je l'ai déjà, celui-là. Attends, je peux peut-être échanger celui-là avec le garçon. Eh ben, premier jour à la rive, premier jour à la rencontre tout le monde, presque. Tiens, prends le mien. Hé, hey, j'ai eu le comics que tu voulais. Génial, je te l'échange. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. C'est bon, je les ai tous. J'ai plus qu'à rejoindre le balcon VIP. Cette première quête était vraiment difficile, hein, y a pas à dire. J'ai sué, j'ai transpiré. Je suppose qu'on peut regarder tous les trucs. Ah, ah. On peut pas interagir avec... Là, je vois qu'on peut interagir. Oh, c'est trop génial. Non, mais si c'est pour nous les montrer juste de plus près, c'est un peu con quand même. Ils auraient pu mettre une petite description, non? C'est ici le VIP? Non, c'est pas ici. Waouh. Comme Directeur, ne craignez-vous pas que le réacteur de votre héliporteur ne soit pas capable de contenir ce ptérigène? Nous ne savons rien de cette... N'ayez crainte. Nous ne l'aurions pas utilisé s'il y avait le moindre risque. Sachez que le Chimère bénéficie à la fois de la protection des Avengers et du SHIELD. Merci. Bruno voudra jamais me croire. Oh, petite, fais attention. Oh. Pardon. C'est passé quoi, là? Elle a interagi avec... Wow. On dirait de la magie. C'est passé quoi? Je veux savoir, moi. Bon, le VIP! Beta, c'est l'ascenseur qu'il faut prendre pour atteindre le balcon. Sésame, ouvre-toi! Je détiens tous les comics! On sent quand même qu'il y a des petits soucis techniques, hein. La cinématique avec Banner qui avait un petit peu frise du cul. C'est ça, la loge VIP? Pas terrible, hein. Ah, alors je suis content d'être. Chut, t'as pas dit quelque chose? Il faut passer, nous, les héros, pour bien plus formidables que nous le sommes. Nous sommes aussi ici pour vous présenter une nouvelle source d'énergie non polluante, appelée Terrigène. On m'a beaucoup vanté sa puissance. Pour expliquer son fonctionnement, voici l'homme qui l'a découvert, le docteur George Tarleton. Merci, Capitaine Rogers. Le chimère est alimenté par un nouveau minéral, le terrigène. Il y a 3 ans, j'ai découvert une étrange pierre, oui, dans la baie de San Francisco. Après analyse, il m'a paru clair que ce minéral... Bonjour, San Francisco! Une ville formidable! Même si, pour se garer, c'est pas gagné. Je vais me pencher sur le problème, d'ailleurs. Je lis ça. J'aime pas du tout ça. Faut qu'on parte d'ici. Viens. Ça m'a l'air d'être plus qu'un accident. C'est pas un accident. Thor, Tony, allez voir. Tout de suite. Essaie de suivre. Prépare le Quinjet, Nat. Au cas où. Je m'en charge. Attendez. Oui.
Évidemment, je vais te prendre me rattraper. Wow. Ça commence à devenir intéressant. On va faire ça vite. C'est pas attendu. Or, essaie de dégager un passage sur le pont. Ok. Allez, comme sur la bêta. Ouais, vous êtes pas digne de mon gros marteau. Voilà. Bon, ça va être pas mal de boutons, je suppose. Hein. Comme dans tout bon. Les mortels sont pris. Et bim. Jusqu'à mon gros. Et hop. J'aurais dû prendre un petit déjeuner plus constant. Merci pour votre aide. Des de rien. Ils sont coincés derrière ces barricades. Compris. Restez derrière moi. Je vais m'occuper. Ouais, je vais m'occuper d'eux. À quoi ça fait vraiment bizarre de ne pas avoir les véritables acteurs et les voix des films, quoi. Et bim. Alors, tu as pu identifier nos ennemis? Non. Ils ne se sont pas présentés. Attendez, ces armes viennent du Shield. Je vais contacter le commandant Hill. Car... ils ont choisi ce jour pour une bonne raison. Ouais, pour nous faire chier. Je reste devant Chimère jusqu'à ce qu'on ait une idée de ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Allez, hop là. C'est ça. À terre, les secours arrivent. Façon de parler, hein. Techniquement, c'est nous les secours. Hein. Bim! Bam! Non, j'ai pas pu faire le boom, désolé. Bizarre, j'aurais juré qu'il avait une barre de vie au moment où c'était tombé par terre. Je vais te planquer! Allez bien, mon gros. Bonjour les mecs, vous allez bien? Boum! Boum! Allez, oust! On a fini ou pas? Ah bah non! Tony! Arrête de déconner! Sortez la furie guerrière! Allez! Je dois l'avouer, c'était très impressionnant. Oh ouais! Oh, quelle arrogance! Ça me plaît! Ça te plaît, tant mieux! Moi, tu ressembles pas à un pizzaiolo cette fois-ci. Tut. J'adore! T'adore, de Dior! Mais il n'y a plus de bouclier. Et moi de lancer le marteau direct. Ah, attendez. T'as fait quoi, toi? Hein? T'as fait quoi? R1. But. Ok. Allez Stark, let's go. Allez, petite baston, en mode tiré, en mode piou. Un convoi du Shield a été détourné ce matin. Ce serait pas un debriefing de Fury que je dis jamais? Je devrais, Tony, c'est important. D'accord, peu importe. Par contre, ça manque un petit peu de dynamisme ici, hein. Notamment dans les tirs. C'est vrai que ça fait un petit peu mou, hein, comparé à ce qu'on voit d'habitude. Oui, je sais, c'est moi qui les ai fabriqués. Bon, allez tout le monde ou pas? Putain, ils s'en font bien, c'est facile. Protéger le cristal intelligent. J'aurais juré qu'ils étaient moins avant. Je suis déjà sur le coup. Le docteur Tarleton est en route vers la salle du réacteur. Ah oui, ils étaient moins avant, non? Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez rapide. Restez à couvert. Qui est le soldat en carton qui m'a tiré dessus? Kaboum! Le convoi de transport est le prototype de production. Fury cherche ce qu'il contient exactement. Ah, ouais! Comment va le chat? Mais what? C'est à Fury que j'adore me faire tirer dessus avec mes propres armes. Je vous tiendrai informé. Et Goose va bien. Ah, hop là! Je pensais pas que vous aviez entendu ça. Ils ont pas été goûts ou j'ai rêvé? J'aurais fait demi-tour depuis tant.
J'ai vraiment l'impression qu'on a un train de retard. Ça cache quelque chose. Ah, ça prend le combo. J'ai pas fait attention sur la bêta. Et salut! Il est mort. Ouais, attaquez-moi par le flanc. Je sais pas ce que ça va faire, mais c'est pas grave. Yep. C'est tourelle maintenant. À moins que j'oublie quelqu'un. Non, il y a bien les tourelles. Mais c'est sérieux, j'avais commencé à la défoncer. J'ai eu l'idée géniale d'équiper les camions du shield de tourelle. Tony. Ah ouais. C'est moi. What? D'où je l'ai pris celle-là? Comment t'es où ma barre de vie ici? Pour toi, Tony? Oh, ça va, 12-0 et la merveille. Merci, ils m'en ont pas. Je m'en doutais. Ils ont des blindés plus tard. Cap, ce vaisseau n'est pas prêt pour voler. Pourquoi il bouge? Quelqu'un a initié les protocoles de sécurité. Le Chimère est en pilotage automatique. Il te faut des renforts, on y retourne. Négatif. Sécurisez le pont. Ces armes ne doivent pas entrer dans la ville. Bien sûr. À toi, Bruce. Oui. Ouais, je peux taper un jour, merci. Mais t'es tort. Hein. Ressentez la fureur de Hulk. Merci mon petit. Qu'est-ce qu'il fait? Non, viens ici, donne-moi la main. Allez hop, bim, bim, et bim. Allez, on y va. Viens à moi, petit tank. Oui. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Allez, on saute. Une petite tac-attaque chargée là, vite fait. Voilà. Ouais. Je visais le camion, ok? Ne me jugez pas. Hey, les petites tatanes gratuites là, vite fait. Yes. Allez, vas-y, Hulk. Montre c'est qui le plus beau. Seulement on pompait mes fans et manger du gâteau aujourd'hui. Reporte-toi, Tony. Allez, presque. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Quel est votre statut? C'est blindé, fragilise sérieusement le pont. Si on s'en occupe pas. On n'avait pas remarqué que ça fragilisait le pont. Pêche-toi, mon grand. Il a déjà bien souffert. Ah, ça c'est du nettoyage. Rénaud géant. Je le vois. Hulk, je vais atterrir le Quintet. Hop, loupé. Ah. Oh, allez, du vent. Allez, bouffe. Ces inventions sont dangereuses, Stark. Eh, hey, ces armes étaient destinées aux gentils. Est-ce que c'est censé être une blague? C'est pas le moment. Concentrez-vous un peu. Cap, il se passe quoi de ton côté? Je sais pas, Nat. On dirait que le réacteur a un problème. Je vois des relevés étranges sur les écrans. Comme si on était attiré par un signal thermique. À terre! Nat, ça va détruire la ville. Répète ça, Cap. Je te reçois vraiment mal. Nat, tu m'entends? Ah!
Miss Peanut et baston time! Miss Peanut et baston time! Écoutez-moi, le chimère se fait attaquer! Évacuez! Ouais, on se fait attaquer là! Oh mon dieu! Je ne vois plus rien! Oh! Steve, tu m'entends? Non, j'entends pas! Alors ici on a pu voir des magnifiques ennemis qui étaient en mode je sais pas ce que je fais de ma vie. Je sais Doc, ils essaient de détourner le chimère. J'avais jamais vu de tels résultats. J'arrive dès que possible. Kung Fu Fighting. Et hop, vol. Vous êtes en train de quoi? Vous faire massacrer par Captain America? Oui, c'est vrai. Allez! Carlton, dites-moi ce qui se passe! Le réacteur ne se stabilise pas! La structure moléculaire du térigène se présente maintenant sous forme de gaz! Quelque chose semble alimenter le réacteur en énergie! C'est incroyable! Stop! Pour rappel! Eh hey, bouffé! Bon, on va pas tenir longtemps! Je fais de mon mieux, je... baston! Darkton! Avenger, vous me recevez? Qu'est-ce qui se passe? Hey. Eh! Petit combo là, gratis! Avenger, au rapport! Eh bah non, il y aura pas de rapport, malheureusement. Le berger? Le berger? Le berger, parce que bon, j'aime bien Marvel, mais quand même, je connais pas tout. Le convoi transporte une bombe à perturbation sonique très dangereuse. Nos ennemis vont tenter de la faire exploser dans la ville. On est en descente. Je répète, une bombe à perturbation sonique. Sécurisez-la au plus vite. Des bombes Sonic ? C'est une blague ou quoi ? Je croyais que l'ONU les avait bannis il y a des années. Allons voir ça. En voilà une entrée. Taskmaster. Récupérer le détonateur. Si cette bombe explose, elle peut tout désintégrer dans un rayon de 15 km. Alors, on n'a pas de temps à perdre. J'arrive, mon gros! En voilà une fête! Elle s'appelle se botter les fêtes! La base du pont est sécurisée! Des ondes sismiques étranges. Tony, le camion. Compris. Une petite part. Je prends ça. Tu sais, j'espérais t'affronter. Allez! Faire du spamming! Allez, mange mon petit Taskmaster là! Oh. Baston sommel!
Allez, entre toi et moi, Lucette. Aucune importance, j'ai ça. Donne-le-moi. Ouais, donne-le-moi, sinon je te jure, je te tire dessus. Des notes, comme d'habitude. Quoi? Attends, c'est moi ou il est plus faible que dans la bêta? Des réflexes photographiques. C'est plutôt un manque d'originalité. Il est où le lock? Il y a un lock dans le jeu, je m'en rappelle plus. Ah merde! Tenter une esquive, mais pas marché. Et bim! 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 Non, j'ai rien dit, en fait, il est toujours aussi. Eh ben non! Hey! Oups! C'est ta dernière danse! Alors, appuie sur R2 lorsqu'il y a un indicateur. Attendez, c'est quoi encore? C'est bleu ou jaune? Ok. Là, c'était marqué bleu ou jaune, mais il était blanc là. Ça doit être frustrant de toujours avoir un train de retard. Tu veux le chimère, c'est ça? Et qu'est-ce que tu vas en faire, hein? Tu veux encore plus d'offrandes? Bon, excusez-moi, je peux pousser un petit peu. Quelque chose de bien plus précis. Et qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas gâcher la surprise. Oh mon dieu! Rien de ton boule! Comment est-ce qu'on voit quand il est... Mais punaise! Allez! Tu cherches encore des réponses? Tu t'abandonnes? Jamais! Ah non, putain, maintenant il est en mode j'esquive tout. Ah, j'ai trouvé le... Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour l'instant? Que t'es pas le cerveau de l'opération. Allez, mode invisible. Assez parlé. Lâche. C'est quoi, comment ça, lâche? T'aimes pas les surprises? La prochaine fois, prends de meilleures notes. On dirait que t'as perdu, non? C'est ce que tu crois. Qu'est-ce que tu trouves si amusant? Regarde bien, Romanov. Le monde se souviendra de ce jour. Le jour où leurs héros ont échoué. Mais qu'est-ce qui se passe? Toute la ville s'effondre. Bon sang, on s'est fait piéger. Steve, est-ce que tu m'entends? Sors de là et vite! Lita. Il y a 5 ans, les Avengers ont présenté des technologies dangereuses et instables, provoquant malheureusement des dégâts sans précédent. Notre cher Captain America a été tué pendant la tentative de vol de cette technologie. Des milliers de gens innocents ont péri, et bien d'autres portent encore les cicatrices de ce que l'on nomme aujourd'hui le Heyday. Des centaines de gens sont tombés malades, se retrouvant enveloppés dans des cocons étranges qui leur ont octroyé des pouvoirs surnaturels. Sans remède connu, la maladie a semé la panique et s'est répandue dans tout le pays.
Et alors que le SHIELD et les Avengers ont fait la promesse de rectifier la situation, c'est finalement le témoignage du Dr Bruce Banner qui a sonné la fin d'une ère. Votre groupe de soi-disant héros a fait de San Francisco une zone de quarantaine pleine de gaz toxiques. Des gens infectés, dotés de pouvoirs, sèment le chaos dans notre nation. Beaucoup restent cachés et rôdent parmi nous sans que nous le sachions. Je vous repose la question, Dr Banner. Les Avengers sont-ils une menace pour la société ? Oui. Leurs activités jugées illégales, nos héros autrefois glorieux se sont séparés. Mais de la tragédie est né l'espoir. Après la liquidation de Stark Industries, le docteur George Tarleton, lui-même victime du Heyday et fondateur de l'Advanced ID Mechanics, pense que la science est la solution aux problèmes de notre nation. J'aurais voulu voir ce qui est arrivé au capitaine Rogers, mais j'étais trop loin de la salle du réacteur. Je n'ai aucune réponse, mais je peux vous le promettre. Je ferai en sorte de tout mettre en œuvre pour garantir votre sécurité. L'AIM saura trouver un remède à la maladie des inhumains. Des paroles réconfortantes pour ces familles déchirées par la maladie. Mais n'est-il pas trop confiant ? Beaucoup critiquent les stratégies de l'AIM, et on peut voir les rangs de l'armée de la Résistance se renforcer de jour en jour. C'était Phil Sheldon, en direct pour l'anniversaire du Heyday. Incapable de voir la révolution qui se déroule sous leurs yeux. Allez, vous êtes passé. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Hey, salut! Fais-en une copie. Je te trouverai. Ça m'intéresse. Waouh, Stark rétro. Hey, tu as du temps pour parler, Beta? Ouais, bien sûr. Les filles vont partir pour la retraite organisée par la mosquée. Il n'est pas trop tard pour les rejoindre au bus. C'était ce soir. Kamala, on en a parlé. Cette retraite serait l'occasion de s'éloigner un peu de tout ça. Respirer un peu, rire. Nakia sera extrêmement déçue si tu n'y vas pas. Ouais, t'as raison. Je vais y réfléchir. Ah, bien. C'est très bien. Il y aura des glaces, hein? Oh, et encore mieux, il n'y aura absolument aucun garçon. Je t'aime, Beta. Je t'aime encore plus. Mais tu comprends pas. Alors, j'en étais où ? Indice de mot de passe. Premier amour. Allez, Kamala, tu peux le faire. Ah ouais. Zut. Allez, quoi ? Votre énorme ego, Monsieur Stark. C'est quoi ça ? Stark, non ! Non, non, non ! Oh ! C'est bloqué ! Je sais que je tiens quelque chose. Je ferais mieux d'apporter ça au QG.
J'ai dû taper en plein dans le mille. Je dois rejoindre le QG et regarder ce qu'il y a sur cette clé. Nani ! Ah, intéressant. En tout cas, le début s'annonce bien, j'ai envie de dire. Bon, quoi, c'est le début, hein. C'était celui de la bêta, c'est celui qui a été montré à l'E3, si mes souvenirs sont bons, donc... Bon, ben, j'ai hâte de voir, parce que de toute façon, sur la bêta, on commençait pas là, on commençait directement avec, avec Bruce, hein. Donc on va voir ce que ça va donner au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir là... Étude, comme d'habitude, je vous connais sa chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, ciao bye, bouti bouti, et que l'amour du pays sur vous. Peace!